Ya, konnichiwa, nechoshido, yo, salut à tous, c'est Equinox, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, on se retrouve live café de l'après-midi, live de détente, tranquille, et on poursuit notre découverte, notre immersion dans Reign of Terror, le mode Grim Dawn qui transporte Diablo 2 sur son moteur graphique. Voilà, on est parti, donc on est toujours avec notre Lady Ravenfire, notre sorcière de niveau 20 passée maintenant. Et voilà, on a récupéré hier le bâton Oradrim. On cherche maintenant le tombeau des rois. Plutôt le tombeau de Talrasha, plus exactement d'ailleurs dans la vallée des rois. Et grâce au bâton, nous pourrons ouvrir une porte vers Duriel, le démon inférieur, un boss de l'acte 2. Alors, on était arrivé. On va se débarrasser de ça déjà. Ok, on était rendu au niveau de la zone sous le palais, me semble-t-il. On va aller prendre le portail et on est parti. Voilà, c'est bien ça, Palace Cellar Level 1. Donc on était dans les cellules, hein, les geôles, sous le palais. Et après, il nous reste à trouver le sanctuaire, le canyon des mages. Et puis on sera bon quand je dis hein, le canyon des rois, c'est le canyon des mages, bien sûr. On y va. J'espère que vous allez bien, les amis. Comme vous l'avez vu en démarrage, hein, j'ai aussi créé la petite vignette, enfin. Pour la série, voilà, je l'avais pas encore fait. Alors on a toujours dans ces niveaux 2 ou 3 entrées-sorties. Donc on va essayer de choper celle du bas. Je ne sais pas si c'est une entrée ou une sortie. Et c'est pas parce qu'elle est à côté qu'elle est facilement accessible. Donc comme à notre habitude, on revient sur le jeu. Donc les mobs ont repris du poil de la bête. Toujours à chaque fois ils se réadaptent à notre niveau. Et comme hier on a encore pris 3 ou 4 niveaux. Les mobs sont encore plus forts qu'ils ne l'étaient hier en fin de live. C'est toujours comme ça, hein, sur Grim Dawn. Vous voyez que là, la moindre petite bouboule me fait très mal. Alors qu'hier, je pouvais me balader ici sans problème. Alors, eh ben écoutez, niveau 2, on y va. On va continuer hein, de visiter l'intégralité des niveaux. Voilà, on est toujours sur des éléments carrés ici, hein, au niveau de ces zones, si ça n'a pas changé. Et pour l'instant, il fait toujours aussi chaud, donc on ne reprend malheureusement pas encore Ghost of Tsushima. Ça ne reprendra que quand je pourrai tenir la manette en main sans bouillir de l'intérieur. J'espère bientôt quand même. Hein. J'espère que le soleil va nous oublier à un moment. Oh! Attention! On va poser nos petits copains. Voilà. Les hydres, elles vont s'occuper de tout ça. Tainted Brain Matter, la matière cérébrale, intéressant. Vous voyez, hein, l'efficacité hein, du poison là que je reçois, ça n'a plus rien à voir. Hein. Et c'est vraiment lié au fait d'être de retour sur le jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Tous les ennemis ont été relevelisés hein, face à mon level actuel. Alors que quand vous êtes d'une traite sur le jeu, les ennemis ne levelisent pas en même temps. C'est-à-dire que, bah voilà, s'ils ont pop avec un level 25, et si vous passez level 30, ils vont rester level 25. Alors que là, ils ont été tous remis
à jour. Enfin mes levels généralement les amis, hein, je fonctionne un peu comme un puzzle, je fais le tour comme on dit, et une fois que j'ai fait le tour, je m'attaque un peu à l'intérieur. J'essaye de toujours faire le tour, ça me permet de délimiter la zone, de voir l'étendue de la zone, et de ne rien oublier, même s'il y a des fois ça m'arrive d'oublier. Donc là c'est pour remonter, ce n'est point une descente. On aurait été sur Diablo 2, j'aurais été level 28, j'aurais été en attente les amis. En attente du level 30, parce qu'à la base, l'orbe de glace sur Diablo 2 se débloquait au level 30. Parce que ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. C'était un point, un level. Plutôt un level, un point. Et on pouvait prendre une compétence et celle-ci se débloquait au niveau 30. De la progression du niveau global du héros. Du coup, à chaque fois, j'attendais le niveau 30 avec beaucoup d'impatience. Notre premier joyau parfait, je pense. Je crois que c'était un joyau. Je l'ai ramassé un peu vite. Alors là, on fait gaffe parce qu'on pourrait mourir vite. Hein. Ça va très 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 vite. C'est assez virulent. Ok. Donc on a chopé les deux éléments, il n'y a plus qu'à. On devrait avoir un portail ici, si je me souviens. Un portail quelque peu spécial. Alors là, on y est passé. Ok. Il y avait bien un monstre héros, je m'en doutais. Et là, il y en avait un qui avait l'ex. On est passé. C'est cool là. Alors, qu'est-ce qu'il nous a laissé de beau, du loot? Une vieille armure. Alors, ce qu'ils appellent ancienne armor plate, hein, c'est l'armure... enfin, là, c'était un petit module, mais ce sont ce qu'on en a là, les anciennes armors. Les anciennes armor plate, ce sont les petites extensions, je sais plus ce sont lesquelles, ceux-là. Ancienne armor plate. Voilà, ils ont repris le même nom, je pense. Je sais plus si dans le jeu de base, ils s'appellent déjà comme ça. Alors je ramasse encore les objets pour les vendre parce que vous avez vu que le craft coûte quand même assez cher, 10 000, 20 000. Du coup l'argent ne sert qu'à ça. Hein. Ça et puis à acheter des compagnons si on les veut. On prendra certainement un compagnon de chaque. Un barbare, une amazone, un mercenaire comme on l'a là. On prendra certainement un compagnon de chaque, ça nous permettra de changer de temps en temps si on veut.
Donc nous voici avec le portail. Et ce portail va nous amener là où on veut aller, bien sûr. Ok, let's go. Voilà, nous... Oh, ils ont vraiment bien refoutu ça parce que c'était exactement comme ça. Avec la même forme hein, d'escalier comme ça. À 45, là, hop là. Le portail au milieu sur la croix centrale, quatre branches. C'était exactement comme ça qu'était le sanctuaire. Voilà. Je l'avais encore bien en souvenir celui-là parce qu'on y a vu tellement de fois. Et à la fin, il y a un boss et on récupère des bons objets de temps en temps sur, sur ce héros. Alors eux, ils utilisent les mêmes formes de magie que moi. Et là, on a cette subtilité. Ce sont des portails de téléportation. Et un portail va nous amener dans une zone, un portail dans la zone d'à côté. Et on avance comme ça, à gauche, à droite. C'était une petite zone amusante, pas toujours easy. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça charge à chaque fois pour juste nous transporter là. Ça chargeait pas dans Diablo 2, c'était instantané. Clac, clac. Comme quoi, hein, on a beau être plus moderne, on n'est pas plus rapide ou mieux fait pour ça. Hein. Parce que là, je veux dire, il ne charge rien, les décors, il les a déjà. Hein, puisqu'on le voit, hein, l'accès. Et on va affronter le vieux sorcier fou, hein, Bijirai, ici dans sa zone. Enfin, peut-être pas dans cette branche-là, mais dans une des branches. Et c'est lui qui nous donne ses beaux cadeaux. Et on va normalement trouver le symbole qui nous dira quel est le vrai tombeau de Tal Rasha, puisque vous allez avoir plusieurs tombeaux avec plusieurs symboles, comme sur, un peu sur les pierres de Cairn. Et il faudra choisir le bon, sinon on se fait tous les tombeaux pour rien. Pour rien, ou si on veut le XP, ça peut être sympa aussi de les faire, mais ça n'est pas obligé. Hein. C'est juste avoir le bon tombeau. M'embête un peu avec la boucle, hein. C'est moi la maîtresse du feu, je suis l'ennemi Ravenfire. Ouais, c'était exactement ça. Hein. Encore une fois, c'est vraiment un stream nostalgique. Plus que hardcore. Je ne recherche pas du tout l'optimisation du build ou de la performance. Hein. Mon but, c'est pas de faire le jeu en cauchemar, etc. C'est vraiment de redécouvrir tout ce qu'ils ont fait de l'environnement. Comment ils l'ont transposé. Et pour l'instant, je trouve que le mode, il est très très bon. Waouh! Nous avons trouvé, par contre, le chef est pas là, c'est bizarre. Donc, il faut savoir qu'ici, vous avez 6 symboles, et nous aurons 7 tombeaux au niveau de la vallée des mages. Et le tombeau qui est le bon est celui qui n'est pas représenté ici. C'est comme ça que c'était indiqué. On avait normalement, quand on tuait le bonhomme, on avait ces éléments-là et ça nous disait que le tombeau qui était bon, c'était celui qui n'était pas ici en fait. Donc on a un rond, demi-sphère, basse, carré, symbole, hein, double triangle, triangle, rond, bas. Il nous faudra trouver du coup celui qui n'était pas ici si on veut choper le bon directement. Alors on va quand même faire le tour hein, avant de partir là, ça m'embête un peu parce que on y est, j'aurais préféré le trouver qu'à la fin, mais on va se faire le tour quand même. Mais c'est bizarre de ne pas avoir tué le boss, il me semblait qu'il était là normalement. Bizarre. On va quand même se faire toutes les branches, hein. C'est pas très très long, parce qu'on fait toute la map. Le plus chiant ça sera de revenir en fait.
Donc ça va être multiplié par 4, hein, puisque vous avez ici sur l'âme centrale 4 zones qui partent. Et vous avez en gros plusieurs fois la même type de forme. Ah, ils étaient déjà là, ces sorciers. Hein. Je ne sais plus en français comment ils s'appelaient. Là, c'est des Ghoul Lords. Et ils tiraient déjà des boules de feu. C'était comme ça dans Diablo. C'était les mages, hein, apprentis du mage puissant qui avait étudié Tal'Rasha. Voilà, donc là, on va revenir ici. On va se faire une autre porte. Ah, le marteau, il est tombé en bas. Lol. Il est tombé dans le vide, il est sur les étoiles. C'est marrant. Et là, on avait les mêmes éléments sur les hauteurs. C'est vraiment très, très, très bien refait. Au niveau level design, au niveau bestiaire, ils ont fait un gros, gros travail. C'est vraiment top. On a eu une déformation du bonhomme quand il est tombé, c'était amusant. Regardez, quand il tombe, on a une déformation, un allongement du bonhomme, du vieux sorcier, c'est marrant. Alors je change de temps en temps de skill, hein, c'est pour varier aussi le visuel. Et puis m'amuser avec tout ce que la sorcière est là à offrir finalement. Ah! Waouh, on a retrouvé les mêmes symboles, les amis. Et on a trouvé Miasma Robes, une robe d'un 7 pour les sorciers. Acid damage, poison damage, intelligence 32, attack rating, mana, chaos resistance. Et on a miasma, enfin miasma, hein, si on veut le prononcer comme il faut. À chaque fois qu'on est touché, ça libère un nuage de gaz toxique. Chance de confuse, fumble et des dégâts de poison. Eh ben écoute, c'est pas mal ça. Comme on est touché quand même de façon récurrente. Prenons l'autre partie de la branche, hein, pour la finir. On va se laisser toucher les amis pour voir ce qui se passe. Voilà, ça libère un nuage. Et les mobs sont sortis du nuage, vous avez vu, ça c'est intéressant. On a libéré un nuage, ils ont reculé. Alors que ce sont des mobs de contact, hein. Ce ne sont pas des mobs distants ceux-là. Donc ils sont un minimum intelligents pour ne pas rester dans le flux de poison. C'est une petite remarque comme ça, mais ça dénote une certaine qualité de l'IA. Parce que beaucoup de jeux seraient simplement continuer de foncer sur moi et puis on n'en parlait plus, hein.
On va peut-être prendre un level avec ce... Oh, attention, attention, là, on recule. On a un spé feu, là. Il tire des météores. C'est pas les météores de Pégase. Pegasus Ryusunken, mais bon. Hop, hop, hop. On va laisser mes petits copains s'occuper de lui, voilà. Hop, 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 hop. Oh, Tancred, Tancred's Grobil. On avait déjà le casque de Tancred, qui est un set, me semble-t-il, celui-ci pour le paladin, si je dis pas de conneries. Le Tancred. Et là, on est avec la masse, l'arme principale. Attack speed, attack rating encore, mana. Dégâts convertis en lumière, en énergie électrique, électrocution. Lightning physique, ça c'est très très bon, hein. Et avec deux, on gagne des dégâts de foudre et des dégâts d'électrocution. Et au niveau du troisième objet de 7, on va gagner de la conversion de dégâts en santé. Ça, ce sera très bien pour ma Lady Nightmare, d'où le nom qui est bien évidemment un paladin. Une paladin, voilà, je lui donnerai cet ensemble. C'est pour ça que je ramasse tous les objets quand même, même si ça ne marche pas pour mon pour ma sorcière. Et j'anticipe sur peut-être les futurs persos que je vais faire. Et j'aimais beaucoup aussi de souvenir l'Amazone avec l'archerie, qui pouvait faire des flèches de des flèches magiques qui ne rataient pas leur cible, qui suivaient les ennemis, de souvenir, des flèches de feu, des flèches de froid. On pouvait choisir l'élément comme ça, c'était cool. Moi j'aime beaucoup l'archerie, vous le savez. Dans Grimdawn, j'aime beaucoup les doubles pistolets. J'aimais bien jouer aussi l'Amazone pour ça. Moins au niveau de la lance. Elle pouvait faire des attaques avec le javelot, lancer le javelot et puis faire des attaques rapides au javelot. Mais c'est surtout l'archerie qui m'intéressait avec elle. Ça pourrait être intéressant du coup de se faire une deuxième run avec un autre perso. Je ne sais pas, on verra. Allez, on part par là, à côté de la branche, hein, comme d'habitude. Il veut jouer avec sa bouboule de feu face à Lady Ravenfire, les amis. Qu'est-ce qu'il veut faire, je vous le dis, moi. Sinwing Ember, elle est tombée. Dans le vide et au-delà. Ouh, attention les gars, hein. Ah, le v'là le héros, c'est là, c'est ici que nous allons trouver, notre chef, il est là. Voilà. Il faisait pareil et je faisais pareil, je me mettais, je reculais. Je lançais un sort et je reculais. Parce qu'il me gèle, voilà, c'était ça sa technique à lui. C'était le gel absolu. Le zéro absolu, les amis. Comme Camus. On va le réchauffer un peu. Voilà. Alors, à l'époque, hein, au moment où on affrontait ce mage au Vigirail, on n'avait pas les hydres, on n'avait pas tout ça aussi développé. Hein. Pas sur la première run de difficulté sur le jeu. Wall of the Eyeless, encore. C'est le bouclier que j'ai trouvé hier, les amis. Mais c'est pas grave, on a deux nouvelles runes. Qu'est-ce qu'on a eu? Hit, Tool et Tal. Le même, le petit son des runes, c'est le même qu'avant. J'adore. Ok.
Ah bah si, on va avoir le bouquin du coup, ça va nous expliquer que... Cool. Ah, deux sockets, on les aura en mort. Bon, on les garde quand même. On n'a pas eu la petite explication. Il me semblait que ça parlait en fait quand... À moins qu'il faille cliquer là pour la voir. Ah, c'est ça. L'Orazon Journal, le journal d'Orazon. Voilà. But know that the glowing glyphs recorded here in my arcane sanctuary are the signs of the six false tombs. The missing seventh sign marks the tomb of Tal Rasha. Of the Herodrum, he might be called the foremost. It was a shining but brief moment for the mage clans when they set aside their differences and worked together against the common enemy. The Herodrum relentlessly pursued the three across the desolate empires of the east, and even into the uncharted lands of the west, leaving the Archangel Tyriel's hands unblemished. Presuming the three to be vanquished, the Herodrum's unstable fellowship began to dissipate. Abandoning their sacred charge to safeguard the three soul stones, the disparate mage clans began to squabble amongst each other over petty differences. Their conflicts not only dissolved their brotherhood, but strengthened the evils which they had buried beneath the cold earth. Exactement. Donc ça nous dit que sachez que ceux qui cherchent le tombeau, hein, ici ce sont les six glyphes qui ne correspondent pas à la bonne entrée, c'est la manquante et le bon tombeau, et que finalement ils pensaient que tout était résolu. Du coup les Majora Dream se sont un peu éparpillés, hein, ils ont lâché leur... leur quête ancestrale de gardien en fait, et les tensions en sont amenées au sein des frères, en gros. Hein. On gagne encore un point de dévotion, cool. Et là on va prendre ici, on va voyager jusqu'au canyon des marges. Cool. Alors au niveau de dévotion, on a chopé 3 points, donc on avait pris... bien évidemment la plume et la bougie, puisqu'on est quand même feu à la base, voilà, c'était pour dire... Les dégâts élémentaires, c'était sympa. Et maintenant, on a débloqué. Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est d'aller après chercher la couronne. Mais il va nous manquer un tout petit peu d'ascendant. L'Eldritch, on l'a, mais pas l'ascendant. Donc, la couronne pourrait être sympa. L'Elemental Storm. Ça pourrait être assez sympa. C'est de l'électrocute. Hein. Et c'est cute hein, quand c'est cute. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus? Salut Joshfir, comment vas-tu? Donc j'y ai pas regardé encore au niveau des skills, hein. C'est pour ça que je suis un peu dans la réflexion. Juste là, je m'étais dit que la plume et l'encrier, enfin, et la bougie, c'était bien parce que ça travaille sur l'élémentaire. Pour le reste, je n'y ai pas regardé, donc on va attendre avant de mettre les autres points. On pourrait aller chercher, il y a des choses intéressantes aussi sur le haut. Bon là je suis plutôt parti sur le bas en termes de constellation hein, bien sûr. La couronne elle pourrait être intéressante. Le renard il n'est pas intéressant pour ce perso là, il est intéressant d'habitude. Là il n'est pas très intéressant, ça c'est pour les pets. Mais je pense pas que ça agisse au niveau de mes compagnons. Bah chaudement je suis armé, sinon ça va l'ami. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors la canne, c'est pareil, c'est plutôt pour les pates. Après, ça donne de la résistance quand même, et puis quelques bricoles. Et on a, oui, l'appel, effectivement. C'est pas exceptionnel, c'est vraiment pour les animaux, hein, le berger. Le faucon. Il n'est pas très intéressant. Après, on en prendra de toute façon sûrement pour pouvoir progresser dans les différentes catégories. Mais bon. T'as bossé ce matin? On t'a donné ton après-midi, du coup, t'en profites pour passer... Bah, c'est cool. Mais pourquoi on t'a donné ton après-midi? Parce qu'il n'y avait pas de boulot ou parce que tu bosses tellement bien qu'on s'est dit, bah, allez, Jashfir, rentre chez toi, on t'aime. Non, c'est cool. Ah, peut-être la harpie, non. Ça pourrait être intéressant pour le froid. La mana, la harpie.
Elle me donnerait en plus, si je le complète, voyez, elle me donnerait un bonus d'ascendant. La harpie, elle pourrait être pas trop dégueu. Du coup, après, on pourrait choper ça tranquillou pour avoir la tempête. Après, le froid, alors moi je suis plutôt feu, donc c'est moi là, mais le froid, ce serait plutôt partir vers le Léviathan, par exemple, qui est plutôt sympa pour le froid. En termes de feu, on a la torche qui est pas mal là. On peut continuer de toute façon à aller chercher de l'Eldritch, puisqu'il faut de l'Eldritch en quantité. Hein. Alors ça me donnera plutôt par contre de l'ascendant. Donc l'Eldritch, il faudrait aller le chercher en prenant d'autres éléments ici. L'araignée, elle pourrait être intéressante. Parce que l'araignée, elle me donne du coup de l'Eldritch. Elle me donne de l'intelligence. Elle me donne du casting speed qui influence mes éléments. Peu de boulot. Et t'as des RTT en rab. Bah, c'est cool, je suis. Ah, tu t'es fait un petit café, du coup, t'en profites. Salut Vroom, comment vas-tu? L'araignée pourrait être intéressante. Elle déclencherait du coup avec le bonus de 6, on passerait à 14. Et à 14, il nous en manquerait un pour arriver ici. Et on pourrait on l'a déjà pris celui-ci, donc il m'en manquerait un, c'est un peu con. Mais bon, on le prendrait sur une petite constellation et puis c'est pas méchant. C'est comme ça qu'on progresse hein, de toute façon. Mais ça pourrait être bien. Parce que là, on a des feux intéressants au niveau de la torche. De l'attaque rating, donc de la précision, de la résistance en partie. Des critiques, de la capacité de mouvement, de l'augmentation de feu, de la résistance au feu. Et sur Diablo, ça va être intéressant. Des dégâts sur la durée du feu, des brûlures, encore de l'augmentation de brûlures. Et là, on aurait du coup la pluie de météores. 30% de chance en attaque. Ce qui est pas mal. Tant qu'à faire, exactement, Joshua. La couronne, ouais, la couronne de Rowan. Je pense que la couronne. Parce que bah, de toute façon, la couronne, il me la faut pour monter en termes d'Eldritch. Et le flambeau peut être intéressant par la suite pour le côté feu. Et puis, ça c'est l'abomination, non. Alors, ça c'est le Fend, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Le démon, je ne sais plus en français. Il est intéressant aussi pour les pets et pour certaines améliorations de feu. Là, il me faut deux de chaos, mais ça, on peut les avoir assez facilement avec n'importe quelle petite constellation où on a un bout de chaos, on l'aura facilement. Donc ça pourrait être bien aussi. Après, là-haut, on est plutôt sur des constellations fortes. Celle-là, je la connais même pas. Ah oui, si, c'est l'Aigle de Korvac, ouais. Ça fait partie des nouvelles, ça, les dernières. Qui ont été ajoutées avec les dernières updates. Light of Empyrion, elle est pas mal pour le côté feu aussi, si on peut la terminer, parce qu'on a cette skill. Quand on est touché, qui est sympa. Et ça, on pourrait la mettre, par exemple, sur n'importe quelle skill passive. Du coup, on déclencherait en cas de frappe. Ça pourrait être intéressant aussi. Si on la regarde en complet, on a des résistances qui est toujours bien. Des dégâts de feu, dégâts physiques, dégâts magiques aux démons. De la santé. De la santé. Des résistances. Donc ça, c'est toujours sympathique. Par contre, ça coûte des éléments que je n'ai pas. Donc celle-là, elle sera pas facile à aller chercher ce vers quoi on est parti. Mais ça aurait pu être sympathique. Bref, là l'idée c'est la couronne de toute façon, je pense. Et on peut reset hein, de toute façon, donc. Il n'y a pas de soucis. Donc pour aller chercher la couronne, il me manque du coup de l'Eldritch. Et j'ai dit que je pouvais. Pourquoi pas prendre ça. La harpie. La harpie, donc elle me donnerait.
un peu de résistance, elle me donnerait du dégâts de froid, donc ce qui aideront de toute façon mon blizzard et mon orbe. Donc c'est pas dégueu, un peu de critique. De la mana, ça peut être pas mal. Le sage, oui, c'est vrai. Ça, ça peut être bien. Il est là, oui, le sage, c'est vrai. Je ne sais plus ce qu'il donne, celui-ci. Ah oui, c'est l'Elemental Seeker, oui, c'est vrai. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Et c'est plus, ça correspond un petit peu plus à ce que l'on construit, hein, brut comme ça à l'arrache. Puisqu'on part plus sur de l'Eldritch et de l'Ascendant. Donc ce serait plus sur ça où il faudrait se diriger. C'est une bonne remarque, Vroom. C'est vrai. Là, je pense, les amis, qu'on va prendre ça pour juste le petit bonus de froid, qui sera pas dégueu, et puis la régène de mana. Voilà. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment d'aller chercher aussi du casting speed. Mais là, on va gagner ce qui nous manque pour la couronne, et on aura comme ça la tempête élémentaire. C'est un petit classique, mais ça marche bien. Donc on a 2 points. Allez, on y va. Le début, il est où? Ah ben non, je l'ai pas. Ben non, je suis con, oui. Bah oui, pourquoi je l'ai pas? Celui-là, il n'y a pas de prérequis, là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, la première. C'est celle d'en bas, pardon. Je suis con, hein, non, mais je cherchais laquelle était la première, je la trouvais pas. Mon problème de sombritude, lol. Est-ce que j'ai augmenté le gamma dans les options graphiques? Non. Non, non, j'y ai pas touché. Mais ça va, c'est sombre. Mais ça va avec l'ambiance, donc ça ne me gêne pas. Mais je vois que tu es attentif, Vroom. Donc là, on prend la régène de mana. Et après, on aura... On va le compléter pour avoir le bonus, hein, bien évidemment. On aura encore de l'augmente de froid ici. Il nous faut 2 points. Voilà, c'est très bien comme ça. Ça me semble bien. On n'a pas besoin d'aller à la ville, on y va. Canyon des mages. Après, j'ai réétalonné mes 2 écrans, parce que j'ai 2 écrans. J'ai réétalonné mes 2 écrans qui avaient été modifiés. Donc voilà, on arrive enfin à la découverte bientôt des actes en dessous. On peut les faire défiler comme ça, regardez. Hein. Acte 5. Acte 4, effectivement, la forteresse du Pandémodium. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est pas plus court, mais il y a moins de portails. L'acte 3, il est long. Parce que l'acte 3, c'est les petits gobelins, il y a la forêt, c'est la jungle, c'est très très long, avec Couraste et tout, ça c'est long. Il y a des grosses zones ici, avec Travincal, oui. J'avais oublié Travincal. C'est le café noir qui rend sombre, exactement. T'as commencé à regarder mes vidéos il y a 3 jours, bah c'est cool. C'est cool si tu es encore là au bout de 3 jours. Canyon des mages, donc on l'a chopé, c'est bon, on a tous nos portails, c'est l'objectif, tranquillou. Et puis, bah du coup, on continue. Donc là, c'était comme ça, on avait le petit portail direct à l'arrivée. On va trouver 7 tombeaux, les amis, ici, dans cette zone. Et l'idée, c'est de trouver le tombeau qui n'était pas sur l'un des 6 glyphes que l'on avait dans le sanctuaire des arcades. Mais c'est exactement ça, c'est le café. Je bois trop de café, c'est pour ça que je vois tout en sombre. Une question, j'ai la dernière mise à jour. La 063, oui. J'avais fait l'update, me semble-t-il. L'actu me l'ordi, je l'ai vu passer en tout cas cette update. Il me semble que je l'ai faite. Je vérifierai.
Alors, on va rester sur la zone basse, et puis on y va. En tout cas, les environnements, pour moi, sont vraiment, vraiment immersifs, vraiment bien foutus, et on se retrouve bien dans l'ambiance telle qu'on l'avait à l'époque. C'est ce que je recherchais essentiellement en venant sur ce mode. Et je me posais la question de savoir comment ils auraient réussi à rendre tout ça. Et franchement, c'est vraiment sympa. Alors, on va faire le tour comme d'hab. Faut commencer par un mur. Comme ça, on longe. Donc là, ce n'est pas un tombeau. Hein. Donc on est parti d'un mur, et d'un bord, et on continue. Comme ça, ça évite d'oublier, de perdre. Vous savez que je me perds facilement dans les jeux. Pas dans tous, c'est ça le pire. Mais dans certains, oui. Comme les puzzles, exactement, comme je le disais tout à l'heure, Joshua, bah, t'étais pas arrivé encore. Et j'ai dit, c'est comme avec les puzzles, je commence par faire le tour, et après je vais vers l'intérieur, pour éviter, voilà. Et ça permet de voir déjà s'il ne manque pas des pièces, enfin brutes, au moins sur le tour. Parce que chez moi, avec les enfants, les pièces se perdent vite. On a eu la même idée, toi. Et là, j'ai mon lys, hein, mon bâton de magie. Qui est plutôt sympa, un petit sanctuaire. Un petit peu d'or parce que ça coûte cher de fabriquer ces objets avec le cube. Le cube, on l'a reconstitué, mais il n'est pas gratuit. Hein. Il nous dit, ok, je veux bien faire tes objets, mais tu raques. Hein. Je vais arrêter de ramasser aussi les objets comme ça qui me correspondent vraiment pas. Parce que j'ai un petit peu d'argent là d'avance, donc... La dispersion de la foudre, hein, comme je le disais, ça a tué beaucoup hein, de paladins peut-être. Des paladins zélotes, hein, qu'on faisait à l'époque. Des paladins basés sur la vitesse de frappe et la frappe. Hein. Ça pouvait vite être mortel sur des mobs comme ça qui avaient des enchantes de foudre. Parce que on avait un paladin qui frappait très très vite. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas connu, on donnait beaucoup de coups. Du coup, on déclenchait énormément de foudre et on se prenait 5-6 éclairs de foudre d'affilée. Ça piquait très très fort. Je pense qu'on a tous eu un paladin qui est mort comme ça. Car on jouait en hardcore, bon. Alors, Tal Racha tombe. Mais là, il faut dézoomer parce qu'on voit pas le symbole. Où est-ce qu'ils l'ont mis, le symbole? J'en sais rien, en fait. Normalement, il y avait un petit monolithe à côté avec le symbole. Ah, à moins que, en fait, il n'y ait pas. Il n'y ait qu'un seul tombeau et que, du coup, on voit que le vrai. Alors, le son de la notif, c'est un... Ça doit être un abonnement YouTube. Mais on les voit pas. Comme les éléments Twitch, avant on les voyait, ça marche plus. Faudra que j'y regarde, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment.
Donc je pense que ça a éliminé directement les autres tombeaux en fait, et qu'il me reste que le tombeau réel. On n'a plus la sélection à faire, donc on n'a plus besoin de noter sur le petit papier, comme je l'ai fait tout à l'heure, les petits dessins, avec rond, demi-sphère basse, carré. Avant il fallait le noter parce que tous les tombeaux étaient là, les 7 en fait. Mais là apparemment ça élimine directement, c'est pas plus mal. C'est plus moderne, ça évite d'avoir le petit papier et le crayon. Donc là, on va quand même libérer la zone. Ouais, c'est ça, Vroom, ouais. Dommage, on perd pas les 20 heures à les faire, lol. Alors, ils étaient assez courts, les autres tombeaux. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits. Mais oui, ça, tu te disais, du coup, si tu n'avais pas fait attention, bon, bah voilà. Et comme le symbole changeait à chaque partie, hein, il y avait beaucoup d'aléatoires, enfin de constructions procédurales dans Diablo 2. Du coup, bah, tu pouvais pas te dire c'est toujours le carré ou le rond, quoi. Non, il n'y a pas de porte en fait, on peut pas les faire du coup. Pardon, j'ai ma souris qui a cliqué sur l'autre écran. Il n'y a pas de porte du coup, il élimine automatiquement, j'ai bien. Parce que de toute façon, tu es obligé de passer par là pour venir puisqu'il te faut le portail. Donc le dev il s'est dit que tu avais forcément eu l'information et que du coup, bon ben voilà. Il a supprimé directement les autres, ça a évité de créer les zones. Non, ça me gêne pas trop, ça c'est pas... C'est pas le genre de choses qui me gêne parce que ça enlève rien finalement à l'immersion, à l'univers hein, qui a été reposé. C'est juste de ne pas avoir les 2-3 petits tombeaux en plus où il n'y avait pas grand chose dedans quoi. Je préfère qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait là, c'est recréer complètement les assets hein, des créatures. Et elles sont superbes, de tout bestiaire. Hein. Ils ont recréé vraiment tout, les spirkas, tout. Je préfère qu'ils aient fait ce choix-là, c'est beaucoup plus immersif. Là, ils pondent des œufs instantanés. C'est des œufs instantanés hein, qui pondent. Ils pondent des œufs et ça éclot. Pout. C'est instantané. Hein. C'est directement fertilisé, couvé tout. Hein. En fait, c'est comme certaines espèces animales. Hein. Les demoiselles qui pondent des œufs, elles prennent le mâle, elles se gavent, elles le coupent, elles gardent tout. Hein, comme ça, elles peuvent. Et puis, elles se reproduisent autant qu'elles veulent dans leur vie après. Il y a des animaux qui font ça. Hein. Ils gardent la substance masculine à vie. Le monsieur derrière, il en profite qu'une seule fois, hein. Après il est plus là. Nous on a de la chance, on le garde. Sauf quand on tombe sur une psychopathe, bon là c'est autre chose. Mais nous on le garde normalement. Donc, écoutez, on a fait le tour, hein. On y va, on va au tombeau. Et là, ça me fait peur. Par contre, Duriel me fait peur. Duriel m'a toujours fait peur sur le jeu, c'est Duriel, quoi. Le démon inférieur. Les autres m'ont jamais posé de soucis en Dariel. Mais Duriel, c'était... déjà, à l'époque, c'était le côté petite arène. C'est vraiment petit, hein. Je veux dire, l'arène est née sur un écran. Fallait tourner comme ça, éviter sa nova de froid, balancer les boules. J'aimais pas. Duriel, ça a toujours été mon côté j'aime pas. Parce que j'aime pas les petites arènes, vous le savez. Hein. Chaque fois, je vous le dis, dès qu'il y a un mini-boss ou un boss dans une arène, que ce soit dans Horizon Zero Dawn, que ce soit dans Ghost of Tsushima, ou j'aime pas. Ça me tient de là, déjà à l'époque, hein, vous voyez, j'ai pas changé. Hein. Déjà à l'époque, je n'aimais pas ça.
Alors, on va mettre un point de plus ici. On garde toujours hein, des petits points sous le coude au cas où, pour pouvoir porter un équipement ou quelque chose d'intéressant. On vient monter ici et on va aller, les amis, échanger quelques points de la boule de feu qu'on va mettre ici pour grimper et avoir la Fire Mastery. Et en plus, ils disent pas qu'on ne peut en avoir qu'un, les amis, donc on va essayer d'en prendre deux si on peut, je sais pas. Donc on va aller à la ville avant d'entrer dans le combo faire ça. J'avais dit qu'on le ferait hier et on l'a pas fait. On y va. Il est là-bas le livre. Oh, Dolknan. Larger forces are moving inexorably towards us. You must now make haste to the tombs. Ben, je suis en train de me dépêcher d'aller à la tombe. Oui, oui, au tombeau. Alors, combien il me faut de points? 1, 2, 3... Il me faudrait 3 points. Ok. 1, 2, comme ça on est max là. Et on peut du coup récupérer un point là. Voilà, c'est bien. On y va. Comme ça, on a un point là. Donc, on peut prendre la maîtrise du feu. On va regarder au niveau de notre bouboule. 3900. Donc, on passe directement à 3 puisqu'on a un plus 2 à toutes. Et on est à plus 50% de feu, plus des dégâts de feu. Alors, est-ce que ça va impacter sur la boule de feu? C'est la question. Ouais. Alors bien évidemment, les pourcentages qui sont donnés ici, hein, comme dans Grindown, sont toujours donnés sur la base, pas sur les modificateurs appliqués, hein, toujours sur la base. Donc plus 60% de fire damage, ou de burn damage, j'ai brûlure sur la durée, c'est toujours par rapport à la base de ce que vous avez et pas avec les augmentes. Et quand c'est lié à une skill, c'est sur la skill. Donc ça c'est important à pas se faire avoir. Donc là on est bon, et je pense que je peux prendre celui-là aussi du coup. Plus de froid. Donc si on regarde vite fait ici, on fait 907 à 1400. Voilà. Et on est directement à 3 points, les plus 2. Voilà, 907, on passe à 1001. C'est pas mal. On a gagné 1000. Donc encore une fois, hein, c'était pas 50% de 900. Puisque 900, c'est avec les augments, hein, déjà. Mais c'est correct. On est bien, là, en termes de construction de perso. On est bien sur ma Lady Ravenfire. Et du coup, on peut vendre ça et puis en repartir dans le tombeau. Donc, quand on mettra le bâton dans l'orifice, hein, les amis. Je l'ai sur moi, le bâton. Ouais, il est là. Quand on mettra le bâton dans l'orifice, on va ouvrir vers la chambre qui est normalement la chambre de Tal Rasha. Mais à l'intérieur, il y aura notre ami Duriel. Normalement. Alors tout ça, on peut dégager. Là, j'en ai plus besoin. Ça, c'est des compounds. On les garde. Ça, on va le mettre au coffre. J'en ai deux, hein, des... des Wall of the Eyeless. J'en ai chopé deux, j'ai pas de bol, hein, chope deux uniques, les deux mêmes. Par contre, Tancred, j'avais déjà la petite coiffe, hein, ici, Tancred Skull. Et du coup, j'en ai deux, ça pour mon paladin, ma Lady Nightmare. Ce sera très bien. Ok. On repart. 55 minutes de live déjà. On n'aura pas le temps de finir le tombeau, je pense. Finir l'acte cet après-midi, ça me semble un petit peu dur. Alors, où en est ma résistance au froid? Ma résistance froid, elle est à 77.
plus 30 au-dessus du maximum grâce à ma skill maintenant récupérée. 77, c'est pas mal. Ça devrait me permettre de résister correctement à Duriel, j'espère. Parce que Duriel avait cette aura de froid qui vous ralentissait. Et c'était vraiment difficile. C'est vraiment le mob qui me faisait peur sur le jeu. Tal Rashask Tomb. On va lui mettre des petites copines. Voilà, ça va lui faire du bien. Voilà. Mes petites hydres s'en sont occupées. Qu'est-ce qu'on a chopette? Voilà, un bouclier. Visceratuant. Visceratuant, pardon. Lightning Retaliation, plus 1 à toutes les skills de la sorcière. Je vais faire mon bâton, mais il est joli. J'allais changer ma barre sans le vouloir. Wahatam. Une coiffe de guerre à 2. Ah, mais pourquoi ça me... Voilà. Ouais. On va la garder. On sait jamais. Deux chasses. Ah. On avait un petit... support. D'invocation des zombies. Bah, il faut que je vérifie si j'ai bien la dernière update, il me semblait. Ah, ça me cheat ça. Ça n'est pas grave, hein, de toute façon, comme je l'ai dit, autant sur Grim Dawn, c'était une construction de build, donc je voulais être le plus précis possible. Autant là c'est vraiment nostalgique, donc ce n'est pas grave si j'ai raté une émeraude, si j'ai raté un élément, même si c'est un boss sympa, c'est pas méchant, je ne m'en voudrais pas. Qu'est-ce que tu vas faire de beau de ta journée du coup, Jashfir? Vu que tu as eu du temps de récup et de RTT à récup, hein,
Tu vas rester chez toi te reposer ou tu vas profiter du soleil écrasant pour aller bronzer? Et te choper un cancer de la peau, hein, parce que là il crame quand même. Oh, on a un petit copain, où est-ce qu'il est? Par là, il est là. Plutôt après-midi détente. T'as bien raison. Un bon café, un peu de détente, ça fait du bien. Quand je peux avec les enfants, j'aime bien. C'est pas souvent, mais j'aime bien. Hellplague, qu'est-ce que c'est? Riftstone. Je ne sais pas. À deux sockets, on va la prendre quand même. Tu commences à te faire vieux, bah écoute, moi aussi, hein. Même si on dirait pas comme ça, hein. Après, comme dirait notre bonne vieille Héloïse nationale, hein, être vieux, c'est dans sa tête. Voilà. Mais surtout, ne m'approche pas, tu pourrais me contaminer. Elle est un peu comme ça, notre bonne vieille Héloïse. On a chopé un sanctuaire d'aptitude, hein, ça augmente mes capacités. On éradique tout avec aisance, hein, quand même. Hein. Il faut le dire, les amis. Ah, il y a assez de virus comme ça, c'est vrai. Ben, je sais pas, t'as pas vu Poutine tout à l'heure? Notre grand monsieur de l'Est a annoncé avoir trouvé un vaccin. Bon, une fois que t'es vacciné, ok. Tu vas peut-être ne plus choper, mais tu vas te déformer, avoir des trucs bizarres qui vont. Des membres en plus qui vont pousser. Hein. Mais ça, faut pas y faire attention. T'auras un troisième bras ou. Voilà. Mais au moins, tu seras safe.
question hors sujet. J'allais dire hack and slash. Non, hors sujet, ok. Oui. T'as regardé ma vidéo de Echo Seul au Monde, oui. Si on veut faire la même chose, il faut absolument devoir payer un serveur ou juste le jeu de base en solo permet de le faire. Alors, tu peux le faire directement sans serveur, Vroom. Si t'es sûr de vouloir être seul, tu peux jouer sur ta machine. En fait, ta machine, comme pour Ark ou Conan, va héberger le serveur, tout simplement. Et tu crées une partie solo et tu joues solo. T'as pas besoin de serveur du tout. Hein. Une fois que t'as le jeu, c'est gratos. Et après, pour modifier dans ce cas-là les paramètres de ta planète, il faut le faire dans les fichiers de config. T'as un onglet serveur sur, dans les fichiers en fait fournis avec le jeu. Et tu modifies à l'intérieur. C'est vraiment tout bête. Hein. Waouh, des pièges, les amis. Ouch, ça pique, hein. Je suis pas fakir, moi, les gars, hein. Ah, et puis ça a fait des saignements... 112, hein. Ça pique, hein. On va éviter de rester trop là-dessus, mais dès que ça me touche, ça pique. Ouais, tcha-tchaï. Et en plus, on les voit pas les pièges, là. Le jeu est très bon, Vroom. Le jeu est très bon. Faut aimer ce côté. Ouh, on a l'accès à la chambre, les amis, ça y est. Ça va ouvrir ici, normalement. Ça va tirer un laser, détruire ça. Enfin, un laser, un faisceau d'énergie mystique. Et puis, on va aller voir notre copine. Souhaitons ne pas mourir. Qui te dit que c'est du sang, hein, lol. On va voir si on a la même animation qu'à l'époque. Plazi Oraladric Staff in the Receptacle. Ah, on n'a pas eu la petite voûte. Mais ça a pété. Et là, on n'a pas la chambre de Tal Rasha. Enfin, si, mais... on va tomber sur Duriel. Alors, on va peut-être mourir, les gars. J'en sais rien. Duriel, ça a toujours été ma hantise. C'est comme ça. Il y a des mobs, il y a des trucs. J'ai gardé ce souvenir de quand j'étais tout jeune. On va faire revenir notre copain. Voilà. Qu'il soit tout neuf. Parce que lui aussi, il a une aura de Froa. Bon, Duriel, je pense qu'elle est untouchable, mais bon. Allons-y. Elle va me faire peur, Duriel, en plus. J'ai l'appréhension parce que j'ai la peur en même temps de la bête. Elle a exactement la même tête qu'avant, quoi. Alors, ça va aller parce qu'elle a pas son aura de froid. Mais c'est une petite zone, voilà, comme à l'époque. On va se la faire pas easy parce qu'elle est en train de m'aspirer. Moi, j'aime pas qu'on m'aspire, hein. J'ai déjà dit. Alors là, si elle m'aspire, là, ça va pas le faire. Hein. J'aime pas qu'on pompe comme ça mon énergie vitale. Hein. Eh ben écoutez, ça a été easy, elle avait pas son aura de froid, elle avait pas tout ça. Ça a été easy finalement. J'en avais peur et puis ça va. Donc bien évidemment, on n'a pas trouvé. Hein. Tal Rasha ne sera plus là. Et Duriel, le démon inférieur, était resté comme Andariel pour... voilà. Là, on est passé avant que la porte s'ouvre.
Normalement, hein, Tal Racha, qui avait accueilli en son corps et son esprit l'âme de Baal pour le contenir, était ici au milieu de la zone. C'est mieux fait que ce que ça ne l'était sur Diablo 2 à l'époque. Et là, nous avons notre archange Tyrael qui est là et qui va nous dire plus facile, ouais, tout à fait, Vroom. L'archange Tyrael, hein, l'archange de la justice avec sa fameuse épée. I thank you, mortal, for my freedom, but I did expect you earlier. I am the archangel Tyrael. I came here to prevent Diablo from freeing his brother Baal, but I have failed. Now terror and destruction roam free throughout your world. Even now, they head towards the eastern capital of Kurast, to the very heart of the Zakharum Temple. There they hope to find their eldest brother, Mephisto, the Lord of Hatred, who was imprisoned there ages ago. If the three prime evils unite, they will be invincible. Though it is unclear as to what their aims are, it is certain that they must be stopped at all costs. I am broken, and the energies that tie me to this world are diminishing rapidly. You must take up this quest and prevent the three brothers from reuniting. You must cross the sea and search for Diablo and Baal in Kurast. Now, hurry, mortal. Time is running out for all of us. Wow. Faut que je traverse la mer vers l'est, vers Kurast, et que l'on se mette en chasse de Diablo et Baal qui veulent aller libérer leur vieux frère Mephisto. Waouh, le seigneur de la haine. Waouh. Et là, il faut parler à tout le monde, et puis souvent, il y a des gens qui nous disent « Ah, super, ouais, génial !» You have proven to be the greatest of heroes, and I am honored to call you friend. Thank you for bringing peace to our lives again. You have proven to be the greatest of heroes, and I am honored to call you friend. Thanks for you bring peace to our lives again. Ça, c'est notre petit marchand. You have done very well. Few could have come this far, let alone discover the true tomb of Tal Racha. Unfortunately, I hear that Diablo and Baal have eluded your grasp. This is most unfortunate. If you wish to travel east, I have authorized Mashif to give you passage by sea. I imagine he should be very anxious to leave by now. Good luck on your quest, and thank you again for saving my beloved city. You will always be welcome in Lut Golain, my friend. Merci, Jérine. On sera toujours les bienvenus ici. Tu m'étonnes. On a sauvé la cité. Greetings, my friend. Et là, on va voir du coup un play vidéo. Show me next chapter of the story of the Dark Wanderer. On va jouer la vidéo de l'époque, les amis. Waouh. We traveled east, over the mountains and into the vast deserts of broken lands. As the days passed, my companion told me of himself, that he had once been a great warrior, and that a dark and secret burden
now weighed heavily upon him. We traveled for an eternity across that barren wasteland. How long? I couldn't say. And always, a dark cloud seemed to follow us just over the horizon. Finally, the journey ended. We climbed the last bridge. There below us lay our destination. The shining jewel, Loot Lane, with a great sea beyond. We made camp that last night. Perhaps it was the warm desert wind or the sound of the ocean, but for the first time in many weeks, I slept. However, the dreams return, but these were clearly not my own. I beheld a vision of a great man, the mage, Tal'Rasha. You were there too, Tyriel. I remember seeing you in my dream. His brethren had cornered a great demon, Baal, Lord of Destruction, who had been set loose upon the world. They attempted to imprison the demon within a sacred stone. Yet when their attempts failed, Tal'Rasha selflessly volunteered to contain the demon within himself, completing the prison. He instructed his brethren to bind him within a tomb, buried under the sand, there to wrestle with the demon for all eternity. Seek Marius. This is my brother. Sleep now. We set out with the dawn. The next morning, we walked over the hill toward Loot Lane. I had no idea then of the horrors that were in store for me there. Et voilà, c'était l'arrivée de l'ancien héros avec Marius. Magnifique, hein, les vidéos de l'époque. Oui, pauvre chameau. Dromadaire ou chameau, j'ai pas vu. Et donc maintenant, nous pouvons partir avec Meshif. Drognan. Je ne sais plus où est-ce qu'il est encore, ce Drognan. Il disparaît, son nom, à chaque fois. Ah, il est là. Bah, à chaque fois, il disparaît. Il est dans le petit retranchement et son nom, il n'apparaît pas. Je pense que c'est un petit bug. Larger forces are moving inexorably towards us. You must now make haste to the tombs. On a fait déjà route, hein. On a gagné notre point. De devotion, les amis. Et nous avons deux points de devotion, on peut finir cette constellation. Voilà. Comme ça, nous avons gagné 8 et 8, hein, ce qui n'est pas suffisant encore pour la suite, mais on peut prendre maintenant la couronne. Cool. 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir le bonus et pour avoir du coup aussi l'Elemental Storm. Il ne nous reste plus qu'à aller voir Meshif qui doit être au port, donc tout en bas. Et ça nous fera le live de l'après-midi, les amis. Acte 2 terminé. Voyageons jusqu'à l'acte 3. Alors là, ça c'était l'ancienne entrée. Il est là, Meshif, il est là. Jaren tells me I should take you east to Kuros. I haven't been there for several years, but rumor has it things are pretty grim. Je m'étonne que les choses y sont un peu grim.
Let's go. Et là, on arrive du coup à Kurast. Et il n'en reste pas grand-chose, hein. C'était déjà comme ça à l'époque, hein. C'est super bien reproduit, hein. Natalia. Alors, Natalia qui était une assassin d'un ordre particulier, hein, et on pouvait jouer un assassin dans le jeu. Je me demande s'ils ont reproduit les griffes. Les griffes spécifiques aux assassins. J'en ai pas looté une seule encore. J'aimais bien l'assassin. Elle avait le coup de pied du dragon, elle avait les talents martiaux. Greetings, Hero. I've heard of your exploits and I'm quite impressed. Very few mortals are capable of dealing with the three and their minions as you have. My name is Natalia. I am a hunter of evil, part of an ancient order sworn to hunt down corrupted sorcerers. If I could, I would gladly join your quest to stop the three. But I must wait here for further news. I can't predict what will happen, but the danger is greater than we can know. Until I receive my orders, I'll assist you with the information I have. Donc Natalia, hein, qui était un ordre particulier censé chasser les sorciers corrompus, renégats. Oui, oui, oui. Et elle avait un set, hein, le set de Natalia pour les sorciers. Enfin, pour, pardon, les assassins. Elle avait un set, il y avait un set, hein, unique, qui était sympatoche. Donc là, on a le portail. Ok. Donc nous sommes acte 3, ici. I've not set foot in glorious Kurast for many years, but I never would have imagined it could be so corrupted. Certainly, this must be Mephisto's work. You'd best get going, my friend. Diablo and Bale are still out there. And you must find them. Bah oui, je vais les trouver. Donc on affrontera bientôt Mephisto, les amis, à la fin de cet acte 3. Acte 4, Diablo, et acte 5, ce sera du coup Baal, le seigneur de la terreur. Et là, on avait deux souvenirs, voilà, c'est ça, Alcor. Damn it, I wish you people would just leave me alone. You're new here, aren't you? I am Alcor the Alchemist. I dabble in potions and salves, and I can sell you some if you really need them. But don't make a habit of coming here. I don't like to be disturbed while I'm studying. Who has not dreamt of immortality? One man is rumored to have done more than merely dream. Find the golden bird of Quile. Aquile, oui. Find the secret to everlasting life. C'est une petite statue. Dans la Spider Forest, yes. Donc c'est lui qui nous sert de skill, potion et teinture et General Goods. À chaque fois que je vois General Goods, je pense à notre ami de Blanche Rive. A bit of this, a bit of that. Alors, on est bon. Et on va arriver dans la jungle et on va avoir de la sombritude, les amis, ici. Mais c'est sombre, c'est normal. Oui, les fétiches. Ils sont là, les petits, avec leur couteau, là. Ils sont là. Terrible. Alors, ils étaient en petits groupes. Il y en avait avec des enchantes. Hein, les héros avaient des enchantes et ils galopaient vite, hein, ceux-là. Eh bien les amis, on va s'abandonner ici au niveau de l'acte 3. C'est plutôt très content d'être sur cette découverte. La transposition, elle continue d'être vraiment intéressante. J'ai été finalement un peu triste de Duriel. Ça manquait un peu de piquant. Ça manquait d'aura de froid, ça manquait de piquant. Mais franchement, pour tout l'ensemble, c'est une très très belle réussite. Voilà.
Donc on va s'abandonner pour cet après-midi, je vais retourner travailler, tranquillou, hein, parce que moi les choses ne seront pas tout seul. Ce soir, 21h15, et on sera sur, en première partie sur Farming, on va continuer notre No Man's Land, notre installation. On a commencé la création d'un nouveau champ, une nouvelle parcelle que l'on a acheté hier. On aura deux champs à moissonner, mais pas tout de suite, après l'hiver. Donc on profitera avant l'hiver d'essayer d'avancer la création du champ. Pendant l'hiver, on fera un peu de déco, on accélérera le temps pour être le plus immersif possible. Et en début et milieu de printemps et d'été, on aura des moissons à faire, on commence à avancer. Et on aura du blé, donc on pourra réfléchir du coup l'année prochaine à avoir des premières poupoules, les premières petites poulettes. Voilà, ce sera un premier test avec des animaux, peut-être. Ça sera assez sympa, c'est la première fois que je ferai les animaux sur le jeu. Donc merci à tous les amis, on remet la petite image que j'ai créée exprès, je l'avais pas encore faite, je l'ai faite aujourd'hui, et j'ai repris le jeu de base, hein, si vous vous souvenez. Alors je l'ai fait un peu plus court parce que j'ai pas trouvé d'image adaptée, le jeu de base avec cette image que l'on avait, Diablo et tous les personnages, hein, le barbare ici tombé à droite, le nécro, l'Amazone, la sorcière et le paladin qui arrive comme un sauveur. J'ai No Man's Sky, oui, j'ai dit No Man's Sky. Non, non, No Man's Land, c'est une map solitaire sur Farming. Farming 19. Je me suis trompé peut-être. Bon après-midi, bonne journée les amis. Profitez bien, reposez-vous bien. Bah, Joshua, profite bien de ton repos. Hein. Prends-toi un petit bain, prends-toi un café, profite. Hein. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir un peu de repos offert par la boîte. Offert, enfin, t'as bossé pour l'avoir, mais bon. Ah, le pauvre barbare, oui. Ah oui, il est tombé au combat, mais on va le relever. Hein. Le paladin arrive vraiment comme un sauveur. Hein. Le nécro, il est en train d'en chier. Les deux demoiselles se cachent parce que bah, elles sont pas brutes, taillées pour, comme ça, seules. Ce sont des persos de soutien ou d'AOE. Et le paladin arrive comme un fier sauveur, hein, quelque part. Bon après-midi, les amis. Reposez-vous bien. Ah non, c'est pas le même jeu. Non, 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 non. C'est une map, en fait. Allez, bonne journée, les amis. Ciao, ciao. À ce soir.